S'il y a un psaume que j'aime dans la Bible, c'est le psaume 126. Encore enfant, je le connaissais et le récitais par cœur. Quand le Seigneur a rétablition, nous étions comme des gens qui font un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. C'était beau de réciter ce psaume, mais le verset 4, dont je veux vous en parler, pour que vous alors l'ajoutiez dans votre vie de prière. Le psalmiste a dit « Seigneur, rétablis notre situation. Seigneur, comme les torrents dans le Néguev. » Quand vous sentez que vous avez fauté et que maintenant vous êtes en captivité, dites à vous-même « Le Seigneur va faire en sorte que je revienne une autre fois. » Les missionnaires, si ce sont deux fois le même jour et si ce sont 490 fois, il pardonne et de plus vous fait revenir. C'est comme des torrents du sud, les torrents, ces eaux qui de temps à autre, quand elles viennent, inondent le désert et là après naît un champ fleuri. La plus belle chose qui existe sur la surface de la terre. Elle viendra comme les torrents du sud. Dieu va vous visiter au nom de Jésus. Voyez cette personne qui a été bénie. Ça fait 12 ans que j'ai eu une hernie discale. 12 ans ? 12 ans et... Comment vous saviez que vous aviez une hernie discale ? J'ai vu le médecin. Le docteur a dit cela. Détecté. Et qu'est-ce que vous ne faisiez pas avant ? Moi, rien, parce que... Eh bien, faites maintenant que vous ne faisiez Regardez, pas. Regardez, je ne faisais pas cela. Avant, le genou tout dur, vous pouvez le faire à nouveau. Le genou ? Gloire à Dieu ! À présent, je veux prier avec vous, mon Père et mon Dieu. Au nom de Jésus, le mal est réprimandé, est défait, cette personne est guérie. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Voyez, restez dans la paix de Dieu. Bonne journée.